Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Hellblade, c'est nous à Sacrifice, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Les Nordiques disent qu'Odin et ses frères turent Émiric et son cadavre devant le monde des humains. Ses os devinrent pierre, sa chair devint terre et son sang devint mer salée. Son crâne devint le dôme céleste, son cerveau devint les nuages. Odin et ses frères se saisirent des étincelles et venaient de Muspel. Et en firent des étoiles pour protéger le nouveau monde des géants, et ils utilisèrent les grands sourcils courbes d'Ymir comme des murailles. Tu sais ce que ça fait de tout abandonner, sans foyer, ses proches pour se plonger dans la nature sauvage? C'est garanti de retour. Sans garantie de retour. Senua le sait, car les ténèbres parlent, tout change. Ton foyer et ceux que tu aimes te sont inconnus. L'exil se justifie quand on découvre qu'on n'a jamais vraiment été chez soi. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Elle doit aligner les corbeaux. Il y en a trop.
Il y en a beaucoup trop. La chanson de Valren. C'est là, non là. Il y en a deux, concentre-toi. Ça lui rappelle un endroit, la forêt, quelle forêt. Loin dans la nature, il y a longtemps. Elle est partie dans la nature il y a longtemps, combat ses propres ténèbres. Ça a failli la tuer, sans doute. Elle serait morte. Elle voulait vaincre ses ténèbres et épouser Dillian. Elle pensait que la malédiction s'étendait à lui. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Quand même perdu, hein.
Selon les Nordiques, il faut faire des sacrifices pour pouvoir recevoir. Ils racontent comment les runes ne furent révélées à Odin que par le sacrifice. Il se pendit à l'arbre du monde, se transperça d'une lance, puis dédia le sacrifice à lui-même. Pendant 9 nuits, il resta pendu à l'arbre sans boire ni manger, finit par voir les runes en dessous de lui et poussa un cri. Il les rassembla dans son esprit pour en apprendre, puis il tomba de l'arbre. Les corbeaux ont disparu. Non, juste à moitié. Un piège, non. Valvarin? Silence, je dois réfléchir. Là dehors, dans les bois glacés de l'hiver, elle ne se sentait plus en place. Elle a presque cédé aux ténèbres, presque. Mais elle s'est souvenue des mots de Dian, de sa promesse. Elle a décidé de continuer le combat et de tuer ce qui était devenu une partie d'elle.
Les Nordiques disent qu'Odin est toujours à la recherche de savoir, de sagesse et de magie. Jadis vivait un sage nommé Mimir, qui gardait les eaux de la sagesse prenant leur source dans les racines de l'arbre monde. Odin voulut boire cette source, mais il dut payer le prix de ses yeux pour en faire offrande à Mimir. Enlever un de ses yeux seulement. Il but au puits et changea une façon de voir contre une autre. C'est là que j'arrive, c'est là que je vois une sauvegarde. Et là, je suis mêlé.
Quelque chose que je comprends pas, là. Ah! Ok, ouais, là, je comprends plus. Il y a quelque chose qui va pas, là. Non, il n'y a pas de pain. Pas recommencer. Y a pas de pain non plus. Y a pas de pain non plus.
Là, on peut pas passer. Y a rien non plus. Ça arrive d'un moment, je suis mêlé en tabarnak. Hein. OK. Il y a un pont là. Je commence à figurer qu'est-ce qui se passe, mais pas au complet. Oh, je pensais qu'il n'y en a rien maintenant. Et là, il n'y a plus de... Ça fait 30 minutes que je suis là-dessus, là. C'est beau, il va me rendre fou. Look quoi, tabarnak. Il y a un pan là, il y a encore là le pan, c'est pas ce pan là qu'il fallait. Tabarnak! Ah! Bon! C'est pas là, ça, ça a apparu.
Ouais, c'est Ninja Theory qui a fait ça. Je pense qu'ils vont faire le 2 bientôt. Il a réussi, les corbeaux, ils ont disparu. Non, il en reste 3. Oh, là-bas. Elle recule. C'était naïf de croire qu'elle pourrait se bannir toute seule plus loin. Elle voyait dans les ténèbres moins de... Elle voyait tout court. Dans le noir, la moindre forme et pensée, le moindre bruit grandit jusqu'à ce que l'on consumait tout entière. Sans savoir, elle était déjà dans les griffes des ténèbres. Aha! Elle l'a fait, le sceau est brisé, la porte est ouverte. Yes, tout seul en plus. Et j'étais à 2 avec des points de victoire. C'est comme si elle ne voulait pas les tuer, le ranger, oui. En prenant son temps, ne pas la frapper pour tuer. Que lorsqu'elle sera bien affaiblie, trouve-t-elle Dillion avant que son heure arrive. Dillion. Dillion, Dillion, Dillion. Ah, je pensais pas que je l'aurais eu celui-là. Il fallait passer. Quand tu passes dans une porte, dans une espèce de cercle, dans le cercle qui est là, il fallait passer à travers. Là, en passant à travers, ça créait un pan. Il fallait passer à travers de lui en haut. Ou passer à travers d'un autre. Et passer à travers d'un autre qui faisait apparaître un morceau de bois et repasser dans un autre en haut et revenir dans le premier. Dans le deuxième pour taper. Il fallait passer à travers 5 pour toutes les faire apparaître. Qu'est-ce que ça donne? La liberté! Vainque illusion finale de Valrin.
Pour affronter dans son entre, tu peux le faire, Senua. Tu as la vision. Tu as la vision. Nous voyons tous les deux les ténèbres droutes avec ton aile. Je peux les vaincre. Je peux les vaincre, les vaincra. Tu peux le faire, ma face de rat. Petite raclette. Rabisonnette, petite face de ralette, petite face de femmelette, une échelle est là, apporte-moi au paradis cette fois. Tu vois, ces panneaux-là, là, je vois comme ça, et là, si je vais, il y a quelque chose qui change. Et là, tu le vois pas tout le temps, des fois, tu le vois. Des fous. Vas-tu me parler de Drew? Raconte-moi une histoire. Senua, écoute-moi. Je te rencontrerai l'histoire d'un homme du nom de Findan. Les pris son or et couvrir de chaînes, retirer des prisonniers nuit et jour sans boire ni manger. Alors ils l'ont libéré, j'ignore pourquoi. À leur retour, les ennemis de son père et Erin mirent le feu à son foyer. Son père fut brûlé vif et son père tué, mais il s'échappa le cœur encablé de chagrin. Les ennemis de son père offrirent de la compensation de sa perte et l'invitèrent à un festin dans une salle près de la mer et là, lorsqu'il arriva, et les bandits les Nordiques qui le réduirent en esclave et l'emportèrent auprès de Hel. 6 ans plus tard, ses maîtres débarquèrent sur les côtes d'Orkney, brûlant tout sur leur passage au milieu des flammes. Findan parvint à s'échapper. Ce qui était Finda brûla ce jour-là, et un homme nouveau surgit des flammes. Drut était né, Drut, l'homme que je suis à présent. Et bien que Findan n'a jamais revu sa sœur, moi, Drew, je l'ai trouvé, Senua. J'aurais aimé que tu vois ma maison avant cette sombre période. Est-ce qu'elle peut... Est-ce que je peux monter sur l'arbre? Ah!
Je pense qu'il en reste juste trois. Je pense que je peux peut-être avancer maintenant. L'arbre a encore plein de branches. À moins qu'il a rajouté une branche. Bon. Ok, non, je peux plus y aller, là. Il manque une branche. Et on va le faire de nouveau. Ok, quand tu passes ça, ça fait apparaître une branche. Là-bas. Bon, la branche est là, ok. Quelque chose qui va pas là. Est-ce que je dois faire enlever une branche? Ok. Ok, là, je comprends, ouais. Ok. Là, je peux passer là. Ah ah! As-tu compris, Jess, là? Faut garder son équilibre ici. Non! Putain. Quand tu l'as, tu tombes. Tue-moi. Ah, puis quand tu tombes, tu viens de plus en plus noir. C'est là que tu peux... Ah, t'as pas... Quand tu viens noir au complet, t'es mort. Ah, ça avance! Plus vite!
Prends soin de toi. Elle l'a fait. Le sceau est brisé. La porte est ouverte. Attends, c'est Ténèbres. Je les reconnais. Elles reviennent pour moi. Je suis toujours là. Toi aussi? Où sommes-nous? Oh, je me souviens. Ça s'est mal terminé comme toujours là-dehors. On croit pouvoir surmonter les ténèbres, les en comprendre, et quand vient l'apaisement, elle frappe par surprise. Vous replongez désespérément dans le maelstrom. Où suis-je? L'esprit plonge dans la peur, de plus en plus profonde, et descend si bas que peut-être cette fois aucun retour ne sera possible. Que se passe-t-il? Aide-moi, au secours. Mais là, dans les ténèbres, elle se souvint. Senua, écoute-moi. Jude, aide-moi. Atteins-moi. Senua, prends mon miroir de fer. Regarde dedans. C'est une fenêtre vers l'au-delà. À l'intérieur, tu verras le visage des ténèbres que tu crains. Si tu te concentres comme je t'ai appris, tu verras que les ténèbres qui t'ont piégé dans leur voile t'ont aussi piégé dans le tien. Concentre-toi. Tu m'as perdu là-dehors, tu m'as piégé, mais je te vois à présent. Ça derrière toi. Shit. Oh, bon Dieu.
Salut Zéo, comment ça va? Ça commence bien? Tranquille, merci. Non, mauvais bouton! Ah ouais, finis-les! Non! Putain! Nearly there.
now. Focus, Esti. Focus now. Focus. You're stronger than you get. Focus. Fuck! Je n'étais jamais vaincu là-bas, n'est-ce pas? C'était une illusion, mais cette fois... Je n'étais jamais vaincu là-bas, mais cette fois l'illusion n'est pas cette fois! La marque de Valravn est une clé de la porte d'Alhem. Garde-la de ton œil intérieur. Garde-la pour la vie. À chaque bataille, les ténèbres se renforcent. Chaque victoire la rapproche de la défaite. Injuste, n'est-ce pas? Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered. Dans cette sombre nuit d'hiver, elle a parfois voulu briser le cycle, lâcher prise. Elle n'avait pas rencontré Druid par hasard, elle n'aurait pas entendu cette histoire sur les Nordiques. Elle n'aurait pas cette chance de trouver l'âme de Dillion. J'arrive. Dillion, j'arrive. Je t'entends toujours. Donc, c'était tout pour l'aventure du jeu Hellblade, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!